Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaiterais m'intéresser au placement des assurances-vie. C'est un placement où vous êtes très nombreux à m'interroger régulièrement pour savoir ce que vous devez faire. Garder, revendre, prendre, il y a une vraie interrogation sur ce sujet. Et puis, c'est aussi l'assurance-vie, le placement préféré de nombreux Français. Aussi, je fais cette vidéo parce qu'il y a tellement de mails sur cette interrogation et l'assurance vie est un produit global que je préfère faire une vidéo pour que chacun de vous puisse savoir ce qu'il doit faire et comment il doit agir. Alors, la question, elle va être toute simple. C'est déjà, avant de faire un choix, de comprendre ce qu'il va se passer. Aussi, je vais demander à l'oracle de me dire comment vont évoluer les assurances-vie sur les deux prochaines années. Ce qui sera intéressant, bien sûr, outre le tirage, c'est de voir quel sera le conseil que l'oracle donne. Le conseil qui sera peut-être très pertinent ou pas. Mais les conseils de l'oracle de Béline sont toujours pertinents. Voilà, comme ça on voit bien les cartes. Bon, ça commence vraiment très mal. La carte, ce qui montre un chat, trahison, lunaire. Voilà les trois thèmes de la carte. Et puis ce n'est pas ce chat, quelle que soit la couleur, il est bleu. Ce n'est pas la couleur qui importe tant. C'est l'espèce de petite patte qui vient là vous griffer qui montre que sous des aspects intéressants, des aspects euh, euh, oui intéressants fiscalement puisque l'assurance vie euh, bénéficie de beaucoup de, de euh, oh, je ne trouve plus mes mots de beaucoup d'avantages fiscaux pardon désolé du bug ça nous montre quand même qu'il va avoir un sérieux coup de griffe dans le contrat et que c'est la vérité d'hier tous les avantages qu'on vous présentait Vont être fermement reniés. Ça fait complètement écho à la vidéo que j'ai postée la veille qui parlait des impôts. Je vous disais que les impôts n'allaient pas spécialement augmenter les impôts sur le revenu, mais qu'on allait vous taxer tout le reste. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même ça qui était ressorti dans la vidéo. Là, on voit le coup de griffe dans le contrat. Et puis, trahison. Ce qui était défini comme quelque chose sur lequel il y avait un engagement de 8 ans si j'ai bonne mémoire, eh bien vous allez pouvoir vous mettre assis dessus. Les angoisses, le signe lunaire qui fait toujours quelque chose, qui fait résonner le ventre, qui fait mal au ventre, qui fait des interrogations, bref, je serais tenté de dire que rien qu'avec cette carte, ça montre que très prochainement, et je pense avant la fin de l'année, les avantages vont être bien moins intéressants et complètement reniés. N'oubliez pas, tout ce qui est lunaire dans l'oracle de Béline, c'est la source d'émotion, de crainte, de peur, d'angoisse. Il faut toujours tenir compte du septenaire dans l'oracle de Béline. Si vous avez un septenaire de la Lune dans une question comme celle-ci, au départ, au milieu, Ici, voir au-dessus, c'est qu'il faut faire attention. Là, on nous montre bien que les angoisses vont être présentes, que ceux qui détiennent des assurances-vie vont connaître des problèmes. En tout cas, vont avoir des sueurs froides. Ce qui va aller contre l'évolution des assurances-vie. Là encore, on retrouve... Le septenaire de la Lune, l'inconstance. On sent que quelque part, ça ne va pas être stable. Personne ne va savoir sur quel pied danser, pour être clair. Vous allez avoir des annonces. On va souffler le chaud et le froid. On va renier les avantages fiscaux. Avec ça, avec un tel placement, je oui, ne peux pas. Promulgue. Désolé, je ne sais pas. Alors, désolé de ce petit message que vous avez peut-être entendu en bruit de fond. J'utilise un assistant vocal pour la gestion de mes lumières, des, des petites bêtises, mais qui sont amusantes. Tu vas au niveau technologique et la machine s'est déclenchée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas prononcé son nom, mais bon, ça arrive parfois. Ça surprend toujours. Mais revenons au tirage. Là, avec la carte inconstance, je ne peux pas vous conseiller, avec la trahison en plus, d'opter pour de l'assurance vie. En tout cas, pas en ce moment et pas pendant les deux années à venir. Parce que cette inconstance, elle est valable sur deux ans. Ne prenez plus d'assurance vie. On va regarder le conseil. Une nouvelle carte lunaire. Et cette carte lunaire, c'est la carte où les oiseaux ont mangé tout ce qu'il y avait sur l'île. Il n'y a plus rien à espérer, ils s'en vont vers d'autres cieux. L'image est forte, l'image est très claire, c'est un symbole. Clair. Vendez vos assurances-vie. Il n'y a plus rien à espérer. Pour les deux années à venir. Au-delà, peut-être. Mais là, vous allez vous faire tondre. Voilà, si je dois employer des mots forts pour que vous compreniez, ceux qui pourront dire oui mais j'ai un avantage fiscal, oui mais je veux le, la transmettre, je vous ai dit, vendez. Si vous ne le faites pas, après, il sera trop tard. Je vais prendre un seul exemple. J'ai un consultant, je ne vais pas le nommer parce qu'il n'est pas question de dire, de pointer du doigt si vous voulez. C'est juste pour vous montrer un exemple qu'il faut faire attention. Il m'avait dit, est-ce que je dois quitter mon travail euh, Parce qu'il avait du mal à, y, à joindre les deux bouts. Je lui avais dit, non, vous ne devez pas votre, quitter votre travail. Pourtant, il l'a fait. Je lui avais dit, il va vous arriver des problèmes. Malgré tout, il n'a pas suivi le conseil de l'oracle. Et c'est son choix. Et c'est son droit aussi. Là-dessus, je veux dire, vous avez votre libre arbitre. Consulter un oracle, c'est accepter ou pas la réponse de l'oracle. Si vous ne l'acceptez pas, bien sûr que c'est votre droit. Qui serais-je pour vous dire, vous n'avez pas le droit, vous devez faire ce que je vous dis Non, ce n'est pas ça la voyance. Mais pour en venir à ce consultant, eh bien, il a quitté son travail. Et puis, eh bien, comme problème, il s'est cassé la jambe. Et il n'a plus de travail. Et il se demande maintenant, ben, de quoi je vais vivre Le problème, c'est que je lui avais dit de ne pas le faire. Alors c'est vrai, c'est facile de lui dire il fallait m'écouter. Oui, maintenant le mal est fait, malheureusement. Mais vous voyez que alors on ne va pas regarder la suite pour ce consultant, ce n'est pas le, le but du jeu. Mais vous voyez que quelque part, un oracle, quand il vous dit de faire quelque chose, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais après, ne demandez pas aux voyants des miracles, je ne suis pas faiseur de miracles. Je vous dis que si vous avez une assurance vie, trouvez le moyen de vous en libérer. Le moyen de sortir de ce système là et de vous dire c'est un placement d'un autre temps d'ailleurs si vous suivez mes vidéos il y a quelques temps je vous ai dit optez plutôt pour mettre votre argent à l'abri parce que l'état on a une dette en france la france est mise sous, sous tutelle vous le savez il va bien falloir boucher les trous on va parler du budget, on ne sait pas quel gouvernement on a. D'ailleurs, regardez, je n'ai pas du tout opté pour savoir en fonction de quel ou tel gouvernement. On sent bien que des choix, avec le tirage sur les impôts, il n'y en a plus. Il va falloir trouver de l'argent. On ne va pas venir vous saisir ce que vous avez sur votre compte. Mais il est fort à parier, et ça je l'avais regardé, je ne sais plus dans quel, dans quel tirage, qu'on va opter pour vous mettre des pressions pour acheter de la dette française par des obligations. Attention avec tout ça. Si vous optez pour des, des actions, on ne peut pas faire. On ne vous embêtera pas. Et j'ai fait un tirage pour vous dire quelles seraient les actions en fonction du portefeuille de Charles Gare qui seraient les plus rentables. Je vous invite à la regarder, elle se trouve parmi, oui c'est vrai, il y a 800 vidéos, elle se trouve parmi les vidéos, mais elle est pas si vieille que ça, elle doit avoir moins de 6 mois je crois. Donc la parenthèse, voilà, j'essaie vraiment de vous aider au niveau des placements, des impôts, de voir, c'est pas, effectivement, c'est un tirage qui peut paraître rébarbatif, un sujet qui est peut-être moins intéressant, il n'y a pas de scandale, on va pas parler de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, de Brigitte euh, Trogneux ou de Jean-Michel Trogneux ou de qui vous voulez. On parle simplement de ce qui nous touche de près, notre argent, nos finances, et comment ne pas nous la faire piquer. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc vraiment un tirage très simple, très humble, mais qui me semble à moi essentiel, et c'est à ça que sert la voyance. Ce n'est pas de savoir si c'est l'ignorance entre un jour, à la limite. C'est de l'amusement, ça. Ça n'a pas de sens, si vous voulez, au sens voyance pure, euh, au sens intérêt pour vous, qui va gagner la Coupe du Monde, mais on s'en moque. Par contre, votre argent, je pense que là, vous ne vous en moquez pas. Et c'est le sens de ces petites vidéos que je fais de temps en temps, parce que pour moi, elles sont primordiales. C'est comment vous aider. Et la chaîne, sa devise, c'est Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Le résultat de l'évolution. Le résultat montre que tout ça, on va la cacher, on va en parler après. Tout ça, regardez le climat, procès. Carte martienne, l'agressivité. On sent vos finances en danger. On sent l'assurance vie en danger. Là encore, on vous dit qu'il faut la couper, vous en séparer. L'oracle persiste avec le conseil. Non seulement le conseil, et on voit bien que de toute manière, il y a des gens qui vont s'en séparer. Il y a pas forcément qui vont m'écouter, mais qui vont comprendre le danger de cette assurance vie. Toutefois, si vous regardez, elle va rester, et c'est ça qui est toujours paradoxal, elle va rester un sujet de passion avec les pro-assurance-vie et avec les anti-assurance-vie. Je le résume comme ça, il n'y a pas de pro et d'anti si vous voulez, mais c'est les mots les plus simples pour décrire la situation. Des gens qui vont s'entêter vers ce placement, et qui peu importe leur raison, ils vont vraiment vouloir défendre ce type de placement parce que c'est vrai, les gains que vous avez gagnés, si vous quittez avant 8 ans, vous allez être taxé. Oui. Peut-être que vous serez taxé et que ça vous coûtera 100 ou 200 euros, mais peut-être aussi que si vous ne les taxez pas, quand vous irez au bout des 8 ans, vous en aurez perdu 2000. Réfléchissez bien à ça. La situation peut toujours être pire. Là, en tout cas, il y a des gens nombreux qui vont se séparer des actions. Un net recul de ce mode de des actions pardon, de cette assurance vie, un net recul de ce placement, mais il y aura toujours des gens extrêmement intéressés et ce qui va susciter des passions dans le sens où eh ben certains n'y verront quand même que des avantages. Réfléchissez bien parce que les taxes elles ne vous louperont pas. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, vous aura plu. Euh, on aura trouvé peut-être un certain écho. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous et de votre argent.